je m'étais spécialisé et les brigades d'opération de la police nationale d'Haïti. On va parler également de bilan statistique des activités de l'inspection générale et le cahier chignant, les faits saillants ou les faits de l'actualité au cours de cette conférence. Mais juste avant, l'inspection générale courait bien mal devant des poulets policiers qui tombaient au cours de mois février et ma demande. Et lui a profité l'occasion ça pour lui souhaiter à famille, prochaine, à institution de la police là, sympathie et faire connaître que l'institution pas plaqué et il a toujours été bon côté. Maintenant, on a demandé pour observer une minute de recueillement en mémoire de ces vaillants policiers. Je vous dis merci, la soirée. On va commencer d'abord par la formation en déontologie, éthique et les lois de l'homme dispensée par les formateurs de l'inspection générale, les instructeurs de l'École nationale de police et les partenaires du BINIF à l'intention de plusieurs agents des unités spécialisées, notamment les brigades d'intervention à travers tous les commissariats de la République. On a déjà 2 semaines et plusieurs groupes sont déjà formés à cet effet et il nous reste plusieurs policiers qui vont se présenter à l'inspection générale dans le cadre de cette formation. Maintenant, on va parler des faits d'actualité. Premièrement, il y a eu l'évasion des détenus à la prison civile de la Croix-des-Bouquets le 25 février 2021. Comme nous connaissons, plusieurs détenus, plusieurs prisonniers étaient évadés dans le moment ça. Il faut qu'on dise que l'inspection générale, une fois que les saisies de l'évasion ça, était ouvert aux enquêtes et enquêteurs qui rendent sur les lieux et plusieurs actes d'enquête faits, notamment audition des policiers, audition et entretien avec la population de la zone qui va nous remplir d'informations sur l'événement et nous gagner des mesures qui prend contre les policiers qui travaillent juste là et présentement, il y a une mesure conservatoire à l'inspection générale. Il faut dire que l'enquête continue et est en phase très avancée. Sinon, on a dit qu'il y a une rédaction au AV20% pour que normalement le résultat de l'enquête fixe les responsabilités tant sur le plan interne que sur le plan externe. Nous parlons en deuxième point, j'ai parlé de lui, c'est l'opération à Village de Dieu le 12 mars 2021. Toujours est-il, comme nous connaissons déjà, l'inspection générale, chaque fois, gagne une situation qui impliquait la police nationale d'Haïti, un souci pour que l'Iran, police professionnelle, qui réponde à l'aspiration de population en matière de sécurisation, eh bien, l'intervenu. C'est un cas de ça qui fait que lorsque il y a des informations qui sont circulées à travers les médias, les réseaux sociaux, sous opération, ça qui malheureusement qui fait que les policiers qui ont mis en condition de revenir, j'ai ouvert mon enquête et ça a été débouché à des mesures administratives qui prennent, notamment gagner mon inspecteur
général qui était placé en isolement, qui maintenant, il n'est plus en isolement, au contraire, il est plutôt en mesure conservatoire. Et il faut dire que relativement à l'inspecteur général ça, il y a un pile de bagages qui tactique à travers les ondes, à savoir, l'inspecteur général là va garder ou bien placer mon cachet. Il faut qu'on dise qu'à l'inspection générale, il n'y a pas de cachet. Bâtiment ça, il est construit par des ingénieurs nationaux, internationaux, et sous la supervision des Nations Unies, pour ce qui est un partenaire qui a l'inspection générale, qui toujours a surveillé bonne marche institution sur le plan réglementaire et le loi de l'homme. Et c'est pourquoi je dois vous dire que l'espace de l'isolement, lui, mesuré en termes de superficie, 13,67 mètres carrés. Alors que nous référons à ça, nous les règles Mandela relativement au traitement des détenus, il exigeait que 18 mètres carrés pour 4 détenus. Cela sous-entend à l'inspection générale, espace-là est capable de recevoir 3 policiers simultanément. Donc, par une question de cachot là-bas. C'est une cuisine qui est construite en hauteur, ça veut dire en bas, un peu moins d'arrivée par rapport à premier, deuxième, troisième niveau. Maintenant, bon, l'autre situation qui est présentée relativement à l'inspecteur général, pour qui ça, l'inspection générale prend du temps pour bien faire des devoirs pour rendre une population toute compte de sa dit l'inspection générale, c'est parce que nous travaillons pour la population et en tant que service public, nous donnons compte à toute préoccupation population. Relativement à l'état de santé, inspecteur général, là, que Yota dit qu'il y a des changements qui font dans les médicaments, le déploiement, qui peut-être aggraver la situation de santé, et bien d'après information que responsable médical, l'inspection générale, les bails, il n'y avait pas eu de changement dans le protocole de médicaments. Au contraire, il y avait eu plutôt le renforcement de médicaments. Parce que, d'après médecin, l'inspecteur général a suivi un médicament pour hypertension, il estimait qu'il est capable d'avoir un effet secondaire sur l'organisme, à savoir, au fond, l'obtention de l'eau quantique dans l'information de l'AIO, lui ajouter un autre médicament, et ceci lui faire de manière cordiale avec l'inspecteur général, que lui-même, en tant que médecin, lui traité comme patient à proprement parler. C'est ainsi que le médicament Sahara lui était prescrit, et son frère qui est médecin, Docteur Boucher, c'est lui-même qui était recevoir prescription ça pour faire l'acquisition du secteur général là et tellement prise en charge qu'il fait sur le plan médical. Et du même coup, l'inspection générale qui fait des devoirs pour lui changer espace côté inspecteur général à la boucher qui est dans l'isolement, lui aménager notre espace beaucoup arrivé par rapport à sa situation de santé. Maintenant, sur ce dossier-là, c'est toute sa domaine. Et maintenant, on va rentrer dans les bilans statistiques de tout le travail que l'inspection générale fait au cours de 2 mois. Parce que, maintenant, on va présenter le mois février, et ça fait la présentation à cela, ensemble le mois février, pour que nous allons présenter à public là tout acte d'enquête qui fait relativement sur les bases du travail européen et opération de la Ligue et d'autres activités qui sont en ligne. Pour moi, pour 2 mois, ça, disons février et mars, l'inspection générale va recevoir 42 23 plaintes. 16 rapports internes de la PNH, gagné un prêt reçu au bureau régional du Grand Nord. Nous recevons ensemble de dossiers pour
pour allégations relatives au droit de l'homme et au nombre de 9. Et si vous regardez la représentation graphique là, eh bien, on a pour eux, c'est agression physique qui prime la grande. Ensemble, dans quelques inspections générales organisées, ils ont réparti comme ça. 62 convocations et invitations, 45 auditions entre plaignants et mises en cause, 4 confrontations, 9 enquêtes de terrain, 3 médiations, 18 rétentions d'échec et 2 isolements, et même 2 désistements. Ça fait un total de 145 dossiers enquête que l'inspection générale a réalisé. Rapport qui signé et expédié à la PNH, mais au nom de 2. Ensemble, le rapport, ça, le dossier prête que l'inspection générale de ses voies et acte d'enquête fait que il y a un ensemble de recommandations qui fait du même coup à la hiérarchie et le répond au nombre de 16. Et il y a 3 suspensions, 2 avertissements, 3 classements, 7 avis au plaignant, 2 dossiers envoyés au tribunal de première instance, comme je disais tantôt, ça donne un total de 7, disons 16 dossiers que l'inspection générale traitait ici. Donc maintenant, on a passé la phase de questions, s'il y en a, on a pris 3 questions. Sinon, c'est pas bien, on dit merci à la presse. Marie-Louise Gauthier, mon bon inspecteur général, qui est évalué à la justice, il libère, mais il va forcer malité. Nous connaissons nos Marie-Louise Gauthier, ciblée particulièrement la question manger du de vous. Est-ce que dans les voies administratives, la police est en tête qui va gagner tout ça? Merci. Ma commencé d'abord par le troisième volet de la question qui concerne l'inspecteur général Marie-Louise Gauthier. Nous allons écrire. L'inspecteur général ça a été placé en détention par la justice. À chaque fois qu'il y a une policier, quel que soit le grand tribunal, qui frappe par une mesure judiciaire, il y a une enquête administrative qui est ouverte. Et c'est le cas pour l'inspecteur général ça qui, malheureusement, après que il est sorti, je dis malheureusement parce que les papos représentaient encore dans le bureau. Justement, l'enquête a commencé à s'ouvrir, a continué pour nous capables de prendre toutes mesures appropriées à la situation. Et relativement à un deuxième aspect, dans la même question inspecteur général, il y avait eu déjà une enquête qui a été déjà ouverte autour de cette question de manger sous forme et pour, on en a parlé déjà, donc l'enquête ça ouvre. La famille, la semaine dernière, vous avez parlé de cette situation. Et ça nous a vraiment gratifié d'ouvrir une enquête autour de ça. Voilà. Maintenant, pour M. Conservatoire. M. Conservatoire, c'est une mesure administrative que nous avons en matière d'enquête administrative. L'enquêteur qui traite le dossier juge l'opportunité de placer le ou la mise en cause en mesure conservatoire ou isolement, dépendamment de la situation. Mais ce n'est pas une sanction à proprement parler. C'est pour le besoin de l'enquête. On laisse venir le mise en cause ou la mise en cause à l'inspection générale quotidiennement, parce qu'à n'importe quel moment de la durée, l'enquêteur a besoin d'auditionner par rapport à des nouvelles pistes
qui est exploré dans la caméra. Voilà, c'est ça. Non, du tout. L'idée pour lui présenter 8h du matin, 4h de l'après-midi, évidemment, a signé à l'inspection générale, parce que pendant que je suis conservatoire, inspection générale, Kembe a mené notation, et bâti tout, puisque lui, pendant la période, ça a eu des routes de fonction. Parce que vous voyez, mais elle a touché tout comme lui, n'est pas sous sanction. Elle a présenté 8h du matin pour le sien, à midi pour le sien, 4h avant de laisser l'inspection générale là, la signer. Et il faut que nous voyons que dynamique de fonctionnement, ça veut dire l'attribution inspection générale, de recyclage, de formation continue, et bien ensemble de policiers et policiers, nous menons sur le conservatoire, nous menons la formation pour nous capables d'inculquer des notions que nous estimons que capacité pour un peu plus professionnalisme pour le travail de l'opération. Et étant donné que il y a un ensemble d'auditions qui fait, nous dit presque en trentaine, pas un chiffre exact, mais environ 25-26. Oui, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais environ 26. Ils ont venus. Et donc c'est pour ces qui a arrêté dans la fête de la musique là. Puisque la justice ne prend décision contre eux, de placer eux en détention, même la justice a libéré eux, l'inspection générale de monde est nouvelle, et qui commence à auditionner eux parce que le déplacé dans le commissariat et pour un normalement, enquête ça va continuer. Policier ça va, il y en a un qui finit l'inspection générale pour que nous continuions l'enquête là. Et actuellement là, cabinet, inspecteur général en chef là, à travail dans la carte de ça, et est capable de permettre de réguler, de réaliser la liste sur la formation. Oui, pour les dossiers, vous vous êtes meilleur, c'est l'étudiant de l'école de l'Ontario. Oui, bon, on a dit qu'au cours de l'intervention des agents affectés au palais national, en pile audition faite dans la carte de ça, normalement, il y a eu d'autres actes de fait qui, normalement, avec le temps, ils ont été fatigués sur l'océan parce que nous n'avons pas de policiers à eux. Vous voyez, parce que j'ai dit ça déjà. Le palais national, nous connaissons. Les gens même, c'est le bureau de la présidence. Inspection générale a envisagé de tirer tous les policiers eux, parce que bien plus que c'est l'entendre. Pour venir en caractère. Ça se fait selon le protocole établi avec le gouvernement de Paris national là, qui lui-même dit non qu'à vous et de telle façon de dire que vous allez déranger pour vous faire de sécurité présidentielle. Et ça, vous voyez, son bagage qui est plus complexe et technique également. Mais sinon, en quelque sorte, marché, il y a un prix à qui fait et nous sommes en phase de confrontation, n'est-ce pas, pour nous capables de jouer un vrai élément qui nous en pose la question. Et nous connaissons ensemble de policiers que nous constatons que la direction générale a été avec le chef de policiers Sao parmi eux qui fait partie de syndicat SPNA-17. Est-ce que l'ensemble de policiers Sao peut me dépasser de l'inspection générale des délais attendus et que pour y aller dans la fuite? Je ne peux pas vous votre vous devant l'inspection générale qui fait que les directions et les générales de la police avaient été avec le chef des policiers salariés qui fait partie de l'expérience 17 parmi nous, l'inspecteur directionnel de l'ENDELES. On dit la justice, mais que. Non, ce n'est pas la justice. Direction générale de la police qui était avec le chef des. Je nous connais.
policiers, nous avons supposé convoquer par l'inspection générale. Peut-être est-ce que vous êtes passé devant l'inspection générale, ou bien nous avons convoqué, vous n'êtes pas venu. Qui ça qui fait que je dis, hein, l'inspection générale a mis à vivre chef d'air? Oui, deuxième jour. Ma question, ça, à partir de généralité. Tout policier, quelconque, depuis que soit ou indexé ou bien impliqué, parce que l'inspection générale ouvre le monde, ça va dire que le policier ou pas pour ça. Mais il y a convoqué le policier pour présenter justement pour être capable de continuer. Mais dans la situation, ça va dire là, où on est que l'ensemble des policiers, ça gagner déjà une enquête qui est déjà faite. Au bout de ça, on parle plusieurs fois dans la presse de ça. Est-ce que vous voyez? Eh bien, décision en prend par au commandement, justement, pour capable de permettre aux jeunes policiers de répondre pour capable d'avancer dans la carrière. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que son général était décision de venir dans Tchotcho? On dit ça déjà. Le décision de venir à Tchotcho. On dit ça déjà. Bon, est-ce qu'il est ouvert à au fini? Ok? Est-ce que son général a pris des décisions? Parce qu'il va gagner une décision compatible de qui que ce soit. Jusqu'à maintenant, il a continué à auditionner et plusieurs fois, on parlait en conférence de presse. Des situations ça veut dire que l'enquête suit son cours et au fur et à mesure on a avancé. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions.